Les trolls nous disent que nous ont été parfaitement sûrs et qu'ils ont appris de leurs erreurs passées. Ça lag déjà, c'est ça? Bizarre. Une espèce de... Regarde comment ça fait quand je tourne. Non. Enfin bref. T'en as fait plus en 2 jours que le NCPD en plusieurs semaines. Ouais, c'est pas très dur en même temps. Mais bon, t'as raison. Merci, V. Merci pour tout. On va le retrouver. Ah, si seulement j'avais su plus tôt ce qu'il ressentait. Ce qu'il rongeait. C'est pas ta faute. Je suis son oncle, V. Et j'étais pas là pour lui. Putain! Après 3h30 sans son, j'espère qu'il y aura du son sur ces VOD là. Je sais pas, je crois que c'est OBS qui a crashé en fait. Tiens bon, Randy. Dès le départ. Prie, tiens bon. Enfin, c'est pas grave. Hein. Tu peux arrêter de rouler comme une merde s'il te plaît, ça me fait de la gerbe. On va le passer parce qu'il me fout la gerbe quand il conduit lui. River, c'est la ferme, on l'a trouvé. Je sais, il faut atteindre la grange vite. Et les tourelles par contre. Hein. On va déjà la désactiver. Quoique, attends. Ah, quoique elle va nous aider, non, c'est ça là. La logique, c'est ça, non? Voilà. J'ai bien fait d'activer ce double saut, hein, du cul. Double saut du cul! Tac, tac. Good. Oh. Je me suis fait éjecter comme une comme un gland. Par contre, bizarre qu'elle me rôde. Yeah.
J'ai mis mode amical, non? Il va voir ce qu'il dit, lui. Mais... quel est le fuck? Ah mais je les ai désactivés, non? On va les désactiver, du coup. Voilà. Je pensais que je les avais mis dans ma poche. T'as tous les trucs à pirate ici, c'est fou. C'est fou, y'a rien. J'active. Oh! J'ai failli crever. Par contre, ça va être la baise. Ah oui, d'accord. Je comprends tous ces petits points en fait. Je comprends. Je comprends. Ah oh, putain, oui. Désactive-moi ça. Oui. Ça désactive aussi. Je crois que je l'avais déjà fait, mais c'est pas grave. Ah non, c'est... putain, il y a tellement de trucs ici. C'est ouf. Ok. Je ne peux pas. Rentrez, s'il vous plaît. Par contre, en vrai... oh. Il y a des trucs là. En vrai, si tu désactives toutes les mines... mais ouais. Tu peux te faire des couilles en or. Bon, ça prend 10 plombes aussi, hein. On va éviter... oh putain. Il m'a foutu la trouille, le con. T'es con! Trouver les commandes du système de sécurité, ok. Qu'il est con! J'ai fouillé, j'ai fouillé. La foire fouille. Voilà. Ah, je suis dégueu de ces rediffs sans vieux. Sans son, putain. Quel con! Ça m'a chamboulé, dis donc. J'en ai le sphincter retourné. C'est pas grave, ça me servira de leçon hein, pour la, première, la prochaine fois. Comme ici. Oh. Il y a un connard, non, là. C'est forcément là. Fouille partout. Ok. Le commande, la commande, c'est ici peut-être, non? Distraire les ennemis, hein, on s'en bat les couilles. Hein. Ah, c'est ici. Il y a des câbles qui sortent de ce mur. Il doit y avoir un interrupteur. Ah, c'est là. Merde. Attends, attends, attends. Il n'y a pas un truc à désactiver les paramètres là parce que ça m'énerve. À chaque fois que je passe les dialogues, c'est chiant. Non, c'est pas le son. C'est pas les graphismes. Interface. Non. Commande peut-être. Non. Jeu. C'est sûrement dans le jeu, attends. Difficulté de la visée. Bon. Ah, c'est ça. Ah ouais, donc non. C'est chiant, ça. Ok, bah c'est pas grave. On peut pas le désactiver. Oh. La fée clochette. Ok.
Utilise-moi ça. Non. C'est facultatif, hein, donc. Ok. Merde. Désactive. Ah, je peux pas. Ok. Ok. Je ne lis pas, hein, je fais semblant, bien sûr. Distraire, si je distrais, est-ce que ça fait donne de l'XP? Oui. Eh ben on va le faire. Distraire les ennemis. Bien joué mon con. Ah mais c'est le même. Ah, c'est pas grave après hein, pour les rediffs. Mais si je me répète ça en boucle, hein, parce que c'est plus pour moi que ça fait chier que. Voilà quoi. Jouer 3h30 sans son. J'espère que ce sera pas pareil là quoi. Ok. Ah oui, toutes les mines sont désactivées, bien sûr. Les trucs qui me servent à rien, c'est pas grave. Ok. Ce double saut, c'est la meilleure. C'est le meilleur truc du jeu en fait. River, amène-toi ouais. Vite! Oh ah, c'est ici! Voilà, ok. Là-bas, y'a rien. Hein. Ici, c'est ça. Oh, tac! Une ferme. Je me balade, je me promène. Quoi? Qui a crié là? Randy? Ah bah oui! Il a tenu le coup, on a réussi! Ah bah c'est arrête vrai. La machine! Autrement on pourra pas débrancher Randy! Randy! Comment tu arrêtes? 10-52, je répète, 10-52 okay. Dans une ferme au sud de la ville! Ouais putain! Envoyez une unité! Oui, j'envoie les coordonnées! Cette violence? Éteint. Quelle bande de bâtards. C'est bon? Ah oui, il faut que je revienne là-bas. Vite! C'est bon, tout est déconnecté. Examine les autres, ils sont peut-être encore en vie. D'accord. Il y en a un là. Il est vivant. Hé, hey, doucement, tu vas bien. T'es sauvé. Un de plus. Est-ce qu'il y en a qui va crever? Il est mort. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il est mort. C'est sûr. Bah attends, je libère les autres. Fais ma gueule, toi. Mort aussi. C'est bon, n'aie pas peur. On est là pour t'aider. T'es un peu déshydraté, mais tu vas t'en tirer. C'est good. Aide-moi avec Randy. Tu vas attendre, oui. Fuck. Fuck. Vas-y. Tu l'as pas beaucoup aidé, hein, V. C'est lui ou quoi?
dit quelque chose. Il dit rien. Un peu plus tard. On a réussi, Riva. Ouais, on a réussi. Mais je peux pas tirer un trait comme ça. Les horreurs que ce salaud a infligées. Je peux pas laisser passer ça. Tu comptes faire quoi ? Le liquider ? Exactement. Je vais l'étrangler jusqu'à ce qu'il en crève. Faut qu'il meure, cet arrêt. Vas-y. Non, River. Moi aussi, je veux lui faire la peau à ce bâtard. J'apprécie ton dévouement, V. Mais là, c'est entre Harris et moi. Je vais le tuer à ma façon, en profitant de toute cette confusion. Tu veux vraiment pas mon aide ? Tu vas te faire choper. Non, aucune chance. Je suis... Je suis Music. J'étais inspecteur, tu te souviens ? Je sais comment couvrir mes traces. Oublie pas. T'as qu'à demander, et je viens. Tu peux compter sur moi. J'ai besoin d'être un peu seul, là. Mais je m'en souviendrai. Hé, hey, on est prêts à les évacuer. Vous nous accompagnez ? Merci, V. Sincèrement, j'aurais pas réussi sans toi. Y'a pas de quoi. Mais vraiment, contacte-moi si tu changes d'avis. Ou si t'as juste envie de parler. Ok. Oui. Tac. Oh merde. Mais est-ce qu'il casse les couilles ? Merde. Mission accomplie. On a sécurisé la zone et on interroge les témoins. Les victimes sont en route. Dites à Ramirez de débriefer ces gars ici. Ils vont recueillir des preuves jusqu'à demain matin. Ces pauvres gamins. T'avais déjà vu un truc pareil, toi ? Ça fait 8 ans que je suis dans la police. Mais c'est de loin le truc le plus tordu que j'ai vu. Eh ben... Oh, y'a une mine. T'as pas bonne mine, toi. La merde. Ça pue. Y'avait pas un truc, là. Ah. Oui. Taisez-vous. Tac. Le journal. Allez à la course. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'était ça. Voilà, Johnny, je peux pas le faire. Voilà. Putain, il y en a des missions secondaires. Hein. Ah, mais les courses de calife, à la place du calife, on peut pas. Je ne sais pas où elles sont. Bienvenue sur M54 News. Gillian Jordan. T'aurais un moment ? T'as besoin de parler ? Ça sera un peu plus long que ça. Tu peux passer au camp ? J'ai un problème. T'as un problème et c'est moi que t'appelle ? Je croyais que t'avais rejoint ta famille. Bah, c'est vrai, mais je me disais que... Bon, j'imagine que ça veut dire que tu comptes pas venir, c'est ça ? Cependant, grâce à leurs implants d'hibernation... Ok, j'arrive. Oh, merci. Ça fait plaisir à entendre. Tu pourrais m'en dire plus ? C'est quoi le souci ? Il voudrait mieux... Laisse-moi deviner. C'est Saul, c'est ça ? Toi, tu me connais par cœur. À tout de suite. Encore une mission. La planète rouge, j'ai entendu. Alors... Ok, c'est moyen, ça va.
Pour l'instant, je ne peux pas. Pardon, je ne peux pas, ça c'est. Ah oui, bah ça c'est. Oui, ok. C'est encore le corps à corps que je déteste. Dans la soirée. Allez, à la course du centre-ville. La base prévue sera divisée en trois zones distinctes : industrielle, scientifique et résidentielle. 10 modules résidentiels sont dès à présent proposés à la vente au prix initial de 100 millions de dollars. Le prix est élevé, certes, mais peut-on vraiment mettre un prix sur sa sécurité ? Au Nouveau-Mexique et dans l'Oklahoma, de nouveaux troubles ont éclaté suite aux attentats suicides à la bombe contre les bases des NUSA. La présidente Myers accuse la République du Texas d'être à l'origine de ces attaques. En représailles, les forces des NUSA ont effectué une série de bombardements contre les aéroports texans de Wellington et El Paso. Même si les deux camps affirment vouloir éviter toute nouvelle escalade dans ce conflit, les bookmakers... C'est ici que je mettais un fight. ...à 3 contre 1. Voilà tout pour l'actualité mondiale du jour. Ne manquez pas notre prochain bulletin. Salut, c'est Rachel. Celle du projet La Passion, la DS. Ah ouais. Ah. Quoi de neuf ? On est en pleine crise. On aurait vraiment besoin de votre aide. Stevenson fait une crise de nerfs, le genre qu'aucun psy peut régler. Vous pourriez venir ici, au studio, juste pour lui parler ? Pas de problème, j'arrive. On va faire toute l'émission, de toute façon. Merci. J'ai payé le jeu, c'est pour le faire, c'est pas pour faire à moitié. N'est-ce pas THC ?25 heures pour le platine ! Monsieur, je rush mon jeu. Bien. Bien, j'achète, monsieur, j'achète un jeu pour le platiner et je le revends dans la foulée, c'est bien. Désolé, mais je supporte pas ça, moi, en fait. Bon, je peux comprendre encore la revente, mais de là acheter le jeu exprès pour les trophées et puis le rusher en mode gros connard et dire t'as vu moi j'ai le platine hein, j'ai fait en 25 heures. J'ai envie de te dire ta gueule quoi. En vrai je m'en bats les couilles, hein. Tu fais ce que tu veux mais il n'y a pas à la ramener quoi. Mais je suis sûr que les mecs qui finissent le jeu à 25 heures, ils prennent pas le temps de faire ça, ils prennent pas le temps de visiter en fait, ils rushent. Ils regardent sur internet les missions obligatoires pour les trophées et puis c'est fini quoi. Intérêt de faire ça. Ah bah tu comprends, le jeu il est long hein, donc du coup moi j'ai pas que ça à faire, hein. Je fais mon trophée et puis je m'en vais. Je rigole mais même pas en fait. Je suis sûr qu'il y a des gars avec la mentalité comme ça quoi. C'est vrai. Enfin bref. C'est bien et c'est pas bien en même temps quoi. Ça c'est quoi ça ? Ah oui. C'est pas la course ça ? Merde. Rachel qui vous attend! Il faut croire que ça dérange des gens d'enregistrer l'agonie de quelqu'un. C'est qu'une bande de vierges effarouchées. Des milliards de gens vont regarder la danse sensorielle. Le studio a pas peur de se retrouver au milieu d'un scandale? Vous rigolez? Le scandale, c'est leur raison de vivre. C'est un scandale! Je serais dehors si je pouvais. Mais j'ai une famille à nourrir. Et j'étais c'est ça, cette pub. Boulot. Qu'est-ce qui se passe? Joshua va bien? J'étais sous J'en sais rien et je m'en fous. Entrez. Ok. Allez où ? Suivez cette rue. C'est le bâtiment avec un officier devant. Merci. Je ne t'aime pas beaucoup.
Ah, je croyais qu'il y avait une porte, mais en fait non. Elle est tombée. Ah, c'est les studios, oui. Ah oui. Cool. The studio, the Night City. Ok. Hein? Je pensais que vous auriez l'air, je sais pas, plus professionnel. Tant pis, entrez. Ça veut dire quoi, ça? Ne vous en faites pas, Olga. On va tout arranger. Faites-moi confiance. Olga Pataki. Dans les temps. Quelqu'un va venir nous aider. Elle est là. Je suis là. Enfin. On est en retard. Stevenson vous a demandé toute la journée. Il est dans sa loge. Allez lui parler. Attends, c'est Stephenson et il dit Stevenson. Si... Stevenson... Vas-y, la loge. Je bouffe tout, vas-y. Je suis la bouffe tout et je bouffe tout. Vas-y, ferme-la. Nigri. Ça me donne faim, ces conneries. Vous voulez me voir ? Je veux que vous soyez à mes côtés quand mon âme quittera ce monde. Je n'ai aucun ami, pas de famille, rien que des étrangers pour m'accompagner. Vous comptez toujours tourner cette déesse ? Je suis plus déterminé que jamais. Ce que vous voulez faire, merde, c'est de la folie. Vous voulez vous suicider et ça va engraisser le studio pendant longtemps après votre mort. On n'a pas vu la réponse. C'est trop tard. Là. Je peux plus faire marche arrière. J'ai si peur. Vous voulez bien prier pour moi ? La prière de votre choix. J'ai pas envie de prier, mais je reste juste à côté de vous. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Ainsi soit-il. Tel est l'heure du film. Allons-y. J'espère sincèrement que Zuleika prie pour moi. Vous voulez bien rester avec moi jusqu'au bout ? Vas-y. J'aimerais que vous preniez le marteau et que vous me clouiez sur la croix. Carrément. Ouais. D'accord, Joshua. Vas-y. Je vais le faire. Merci. Vu que tu me le demandes, vas-y quoi. J'ai toujours rêvé de clouer quelqu'un sur une croix. Allons-y. Quoi. Vous aurez quelques répliques à dire. Mais bon, on les affichera sur Twitter. Ok. Moi, c'est ce que je kiffe dans la vie, c'est de crucifier les gens. Vas-y. Les clous de la Sainte-Croix. C'est un marteau, ça ? Attendre près de la croix. C'est où ? C'est là ? Ah. N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et c'est ainsi que je t'enfonce le clou, mon enfant. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Tout est un clou. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
ça doit latter quand même. Oh. Pour nous, c'est justice. Ah, c'est le pire, je pense. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. T'as la vache. Ça doit faire mal, hein. Surtout les pieds, quoi. Les mains, encore. Bon, ça doit niquer quand même, mais moins que les pieds, je pense. Quoique, pareil. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça doit tendre un peu, là. Hein. Est-ce qu'il va se vider de son sang, quoi? Par contre, je veux pas attendre 48 heures. Il va pas mourir comme ça pour quelques clous. Hein. I don't wanna go. Ouais. Père. Ah. Je remets mon esprit entre tes mains. Amen. On va un peu vite, hein. C'était sûrement mon tournage le plus difficile, mais j'y suis arrivée. Et maintenant ? Je rentre chez moi. Je vais dormir 2 journées entières. Je vous recontacte vite pour votre compensation. J'attendrai votre appel. Bien. Au revoir. Il est vraiment mort, ce con. J'ai empoisonné les clous, non? Pour qu'il crève aussi vite, c'est pas possible. Oh putain. Rejoindre Takemura. Si. La foule est en délire. Hugo. Aller à la course du centre-ville. On va tester c'est quoi ces courses là. Ya! Ha ha ha! Night City! Est-ce un mirage? Un hologramme? Non, mes amis, c'est un magnifique ciel dégagé! Mais ne vous fiez pas à ce que je dis! Sortez! Sortez! Profitez du soleil! Le bruit.
Il me faut une bagnole par contre. Appelez Claire. Mais oui, c'est clé. Jack Russell. Appelez. Claire, tu viens? Je suis déjà sur place. Super, je me dépêche, promis. Ça roule, à tout de suite. Apporte une bagnole, hein, parce attends, que... quelle caisse on utilise? La tienne. La tienne. Ok. Piste est prête à rugir. J'arrive, à tout de suite. Je vais pas ruiner ma caisse. Oh. Surtout qu'elle est pourrie. Hein. Y a pas d'armes dessus. Je pense que c'est une course avec les armes, ça. Je le pense, hein. Hé, hey, j'ai misé un paquet sur notre victoire. Alors pas question qu'on perde, ok? Samson, regarde. De la chair fraîche. Ce serait la honte de perdre contre une bleue. Relax, je parie qu'elle va se foutre en l'air au premier virage. Y a des chances, oui. Surtout vu la physique des bagnoles dans ce jeu. Putain. Ils sont stylés les bagnoles, là. De ce qu'a fait Pete Samson l'année dernière. T'es pas mal. Hein. Salut V, contente de te voir. Alors t'en penses quoi? Je te dirai ça quand on aura franchi la ligne d'arrivée, si on arrive en un seul morceau. Hé, hey, concentre-toi sur la victoire. Ouais, je vais mettre le pied au plancher. Les flics de Night City disent je vais faire une save avant hein, quand même. Ils voient plus les problèmes quand on leur met un gros sac des 10 sous les yeux. L'argent résout tous les problèmes, pas vrai? Mm-hmm. Les accidents mortels sont pas punis dans ces courses? Les flics s'en foutent des morts. Ils font passer les données dans leur rapport d'accident. Tu me files ton 06. Une balle dans le crâne, ça peut passer comme accident de la route? Ça dépend dans quelle rue. Des conseils avant qu'on commence? Garde ton pied sur l'accélérateur. Mon boulot, c'est de ralentir les autres. C'est la vitesse qui nous fera gagner. Hmm. Pas la puissance de feu. Pied au plancher, compris. Je me demande si c'est une course à la mort, quoi. Il sert à quoi? Il t'indiquera l'itinéraire. Tu conduirais à l'aveugle, sinon. On doit passer tous les points de contrôle. Sinon, on sera disqualifié. Tu peux rester là, si tu veux. Je vais dans la caisse. Ça commence quand? Insère l'éclat, tout est dessus. Quoi? J'ai l'éclat, c'est bon? On va faire une safe state, hein, quand même. Merde, on peut sauvegarder. Yeah! C'est celle-là? Ah oui. Monte! Ah non, c'est une mission, ok, y'a pas de thune. Pas besoin de sauvegarder. Ils ont même pas fermé la route, regarde, la voiture de... Oh la le bug. Mais ça c'est Fast and Furious ou quoi là? Ah ouais, il y a des bagnoles là quoi. Ça tire, d'accord. Ah bah oui, putain. Cassez-vous! Attention derrière, on cherche à nous rentrer dedans. J'aimerais bien voir ça. Ça c'est bien ça. C'est vraiment la course... Oh, c'est quoi ça qu'a volé de moi? La course à la mort, hein. C'est bien ça en plus, c'est excellent. Ah, combien de tours? Non, c'est des points de passage. Ouais, ok. Elle se contrôle bien cette bagnole, comparé à... au boost que je conduis depuis le départ. Levé de la victoire. Oh, vais me retourner.
ouais, j'aime bien sa bagnole, hein. Clairement, elle est cool. Il me la faut. Ça manque un peu de protoxyde d'azote. Le mec qui fait le connaisseur, alors que non. Ça manque de protoxyde d'azote, tout ça, hein, monsieur. Virage serré devant. Accroche-toi. Du nos, quoi, en gros. Gaijin. C'est beau la route là. Bon, par contre, il n'y a pas assez d'action vu qu'ils me rattrapent pas, les mecs. Bon, faut pas que je me plante. Ça peut arriver, hein. Ça donne envie de refaire du Need for Speed. Quoi ? Mais il sort d'où, lui ? Attention derrière ! On cherche à nous rentrer dedans. J'aimerais bien voir ça. Ils sont loin, ça va. Oh, il bug sur la map. C'est bon ? Ouais. Les vainqueurs sont V et clair ! Quelle course incroyable ! On a gagné ! On est en première place ! T'as l'air surprise. La première place, putain ! Je suis pas surprise, c'est juste que... Je sais, c'est la première place. Restons un peu sur la ligne d'arrivée, au cas où. Ça marche. Ça, je préfère ça plutôt que les trucs de fight. C'est mieux. Tu participes à ces courses tous les ans ? C'est ma quatrième fois. La première fois, j'ai gagné. C'est comme une drogue. Je peux plus m'en passer. Tu peux pas ou tu vas pas ? Qu'est-ce que les ça deux. Change ? Tu fais ça pour les Eddie ? La victoire ? La gloire ? Pourquoi tu cours ? Je dirais que tu vis que pour ça. T'aimes pas gagner, toi ? Si, comme tout le monde. Tu vois, on a ça en commun. Et j'aime finir ce que j'ai commencé. Alors on va gagner ces courses. Ok, c'est d'accord. Je te dépose au garage ? Ouais. Ouais, carrément. Ok, en route. Mais oui, c'est clair ! J'ai bien fait de prendre sa bagnole, hein. Clairement. Il n'y a pas ce trajet parce que... Heureusement que c'est pas toi qui as conduit, hein, parce que... Si c'est elle qui conduisait, on n'aurait pas gagné du tout. Hein. Voilà, ça c'est bon. Ah ouais, d'accord. Elle m'a déposé comme un chien pose sa merde, quoi. The Beast in Me, alors ça... Ah bah c'est ça, The Beast in Me. La bête en moi. Ah oui, d'accord, ok, je peux... Oui, vaut mieux les faire maintenant en fait, vu qu'il faut attendre une... Une petite journée. Johnny, je peux pas en fait, hein. Je sais pas comment... Yeah, Johnny. Johnny. Ah non, mais ça c'est pas ça. Le mec il met la map, mais moi je vais te... Moi je te la mets ta map. La roll map. Les repas gratuits. Ça on va pas faire ça maintenant, hein. Non. L'appartement de Jerry. Bon, Judy, on l'a vu il y a pas trop longtemps, donc...
Je pense qu'on va faire... Père Alès, Père Alès. 1,2 km. Oui, ma bagnole. Réplique. Pas m'écraser, s'il te plaît. Connu au bataillon. Et l'obscur groupe de rock Araskaka. Si vous voulez mon avis, cette campagne va faire plus de pub à ces rois du jeu de mots qu'autre chose. Le GPS qui allait m'envoyer n'importe où là. Yes. Appelez. EV, on est à l'étage. Merci. Ah oui, c'est le retour de... Jacqueline. La clean sauvage là. Hop. Salut V. J'espère que tout va bien de ton côté. Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je t'appelais pour t'inviter à venir manger chez Joss. Ça me ferait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir de vous revoir. T'en dis quoi? Il s'est passé un truc? Venez. Jeff va tout vous expliquer. Par contre, ça c'est chiant. Il a presque fini de se préparer pour le débat. J'ai déplacé tous ces rendez-vous de la journée à l'extérieur du bureau. Par bureau, je veux dire ici. Personne ne nous dérangera. Nous dérangera en train de faire quoi, exactement? Vous le saurez bientôt. Moi qui pensais que tu m'avais oublié. T'oublier? Mais c'est impossible. C'est juste que j'étais débordé. Randy est toujours à l'hosto. Quelqu'un doit surveiller les mômes quand Joss va le voir. T'inquiète, pas besoin de te justifier. Bon, je peux compter sur toi? Ou je dois te supplier à genoux? Ça me fera plaisir de vous revoir. Premios. Joss va être folle de joie. Je suis partante. Tu me manques, tu sais. Oui. Arrête, Trevor. Ça fait pas si longtemps qu'on s'est pas vu. Oui. Bon, c'est vrai. Mais... tu viendras quand même. Tu n'auras pas mon cul. On se voit là-bas. N'auras pas mon cul. Font chier dans le jeu à appeler tout le temps, quoi. C'est... surtout dans les missions, c'est relou, en fait. Mike, on parle de la pierre angulaire de mon programme. Je vais pas faire marche arrière juste parce que Nycorp va. Non, je vais pas leur lécher les boules, tout ça pour qu'ils puissent m'entuber après. Bon, écoute, je dois y aller. Tu fais les corrections et on en parlera plus tard. V, content que vous ayez pu venir. Jefferson. Asseyez-vous, je vous explique pourquoi je vous ai fait venir. Une musique d'ambiance. Nous avons été victimes d'un cambriolage un peu particulier. Comment ça, particulier? Il y a quelques jours, j'ai été réveillé en pleine nuit par un bruit. En pleine j'ai nuit. J'ai pris mon pistolet et je suis sorti de la chambre. J'ai vu un inconnu. Il a fait mine de sortir son arme. Alors, je lui ai tiré dessus. Vous l'avez eu? Aucune idée. Ma tête s'est mise à tourner et je me suis évanoui. Il n'y avait aucune trace de lui le lendemain matin. Dame m'évanouit. Je veux que vous le retrouviez. Je veux savoir ce qu'il voulait. Pourquoi faire appel à moi? Vous préférez pas que la police s'en charge?
Je préfère faire appel à quelqu'un de confiance. C'est plus sûr, j'imagine. La mort du maire Rhine, vous n'avez pas réussi à l'élucider. Mais j'aime vos méthodes. Je sais que vous ferez du bon boulot. Est-ce que vous avez prévenu la police ? On veut éviter que l'affaire s'ébruite et que ça attire l'attention. Vous savez, beaucoup au NCPD aiment se faire un peu d'argent sur le côté. Si on déclarait un cambriolage, c'est sûr que les médias nous tomberaient dessus comme des mouches. Pas de flic, ça marche. Bien sûr, nous avons averti SSI de l'incident, c'est notre service de sécurité. Qu'est-ce que le service de sécurité a dit de tout ça ? C'est là que ça devient quelque peu étrange. Ils affirment qu'il n'y a pas de traces d'effraction ni de coup de feu. Les caméras de surveillance n'ont rien enregistré. Le garde à l'extérieur n'a rien vu, rien entendu. Ils nous ont dit que Jeff avait dû faire un cauchemar. Pratique comme réponse. Liz a congédié les gardes aujourd'hui pour que je puisse vous faire venir. Qu'est-ce que le service de sécurité a dit de tout ça ? C'est là que ça devient... Oh merde. Ils affirment que... Les caméras... Ils nous ont dit que Jeff a... Pratique comme réponse. Liz a congédié les gars. Ok, donc ça, c'est les mêmes réponses, on s'en branle. L'intrus a pris quelque chose ? Ou cassé quelque chose ? Non, tout est là. Et je n'ai rien remarqué de cassé. Jeff a dû réussir à lui faire peur avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Vous vous êtes évanoui ? Exact, juste après avoir tiré. Et ensuite ? Rien. Je me suis réveillé dans mon lit le lendemain matin avec une migraine atroce. Et vous savez plus comment vous avez atterri là ? Non, aucune idée. Elisabeth ne sait pas non plus. Cet intrus, il ressemblait à quoi ? Un intrus. Je ne me rappelle pas grand-chose. Il faisait noir. Il portait un genre de masque. Bah en même temps... Peut-être un implant, je ne l'ai pas très bien vu. Avec le Covid... Elisabeth, elle n'a pas vu non plus ? Je dormais à point fermé. La période des élections est toujours éreintante. Ce service de sécurité, SSI, c'est qui ? Ils sont sur le marché depuis 15 ans. Ils ont des clients dans toute la ville. Si ma mémoire est bonne, ils nous ont été recommandés par une connaissance. Est-ce que vous envisagez qu'ils pourraient être derrière tout ça ? Soit eux, soit quelqu'un planqué derrière eux. Une idée de qui pourrait vous en vouloir ? Weldon Holt, c'est mon principal adversaire. On s'affronte pour le même siège. Il est descendu dans les sondages récemment. Mais en vérité, ça pourrait être n'importe qui. Jeff a beaucoup d'ennemis. Rémi Gaillard, enfin, je pense pas. Hein. On pourrait passer la journée à les énumérer. Je vois. C'est pour ça que je fais appel à vous, V. Je veux que vous découvriez le fin mot de l'histoire. Il y a autre chose que vous voulez me dire ? Ou que je devrais savoir ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Liz ? Je ne vois rien d'autre. Je doute qu'on apprenne quoi que ce soit, de toute façon. Chérie, s'il te plaît, je suis sûr que V va découvrir ce qui se passe. Bon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour l'instant ? Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil à l'appartement ? Bien sûr, Liz va vous faire visiter. J'ai une réunion, je dois filer. Appelez-moi si vous apprenez quoi que ce soit. Ok. Se lever. Venez, je vais vous faire faire le tour. Je vous suis. Commençons par l'endroit où Jeff a vu notre invité surprise. Je dois avouer que parfois, j'en ai marre de tout ça. La politique ? Jusqu'ici, nous avons réussi à décliner toutes les offres de partenariat avec Night Corp, Biotechnica, Arasaka. Jusqu'ici, hein. Si Jeff arrive à se faire élire sans contracter de dette envers qui que ce soit, ce sera ça, la vraie victoire. Le bureau de Jeff. Il sert à la fois de salle de commandement, d'entrepôt et de débarras. De la bouffe à emporter.
Vous devez faire des sacrés heures sup tous les deux. Avec les élections, nous expédions les repas. Nous n'avons pas le temps de nous préoccuper de ça. Mais vous avez raison. Jeff ne mange que ça, c'est là que Jeff a vu notre intrus. Et qui lui a tiré dessus? Juste après être sorti de la chambre. Du moins, c'est le cas dans son chiffre. Stevenson fait un carton. Alors, bravo. Vous avez été génial. Oubliez toutes les conneries que je vous ai dites. Vous aurez bientôt les poches remplies d'Eddie. Et vous savez quoi? Il y aura même une prime. C'est sympa, hein? C'est sympa de m'appeler pour me dire ça alors qu'elle est en train de me faire visiter l'appart, hein? Voici notre chambre. Vous avez rien remarqué de différent après l'effraction? Non, je ne crois pas. À quoi est-ce que vous pensez? Jeff a dit qu'il s'était évanoui. Il n'y avait rien d'anormal? Au niveau des draps, leur positionnement? Aucun signe? Comme si on l'avait traîné jusqu'au lit, vous voulez dire? Non, je n'ai rien remarqué. Ça vous embête si je regarde? Je vous en prie. Ça vous embête si je vole dans votre appart? Allez-y, je vous en prie. Ça vous dérange si je prends un bain? Allez-y. Nous sommes peut-être d'une. Qu'est-ce donc? C'est quoi? Ok. Et donc? Un beau vase. Mais c'est une sacrée baraque, dites-moi. Bordel. Y'a quoi en bas? Je peux les voler, c'est ça? Dream Horn. Réfléchir et me détendre. Eh ben, ça a bien changé. La sécurité devait s'installer quelque part. C'est l'un des nombreux petits sacrifices que j'ai dû faire. C'était le premier, mais ce ne sera pas le dernier. Ah. Si je pirate leur truc, ça va pas le faire. Je vais me faire rôder, mais d'accord. Je sais pas, j'hésite. C'est quoi, je vais sauvegarder? Dans le doute. Hein. On va voir ce qu'elle va faire. Elle a rien fait? Attends. Peut-être après, peut-être après. On va déjà faire ça. 25. Voilà. Je la vole, quoi. J'y pique 800 crédits, puis elle s'en bat les couilles. Arsène Lupin, quoi. M'a tout appris. Voilà. Regarde comme elle court. Ah. T'as les balèzes pour taper un sprint avec des talons, quoi. C'est fou. J'ai envie de la refaire chier, quoi. J'ai envie de me recasser, vas-y. Vas-y, lol.
putain, c'est Speedy Gonzales, regarde. Oh putain. Quicksilver n'a qu'à bien se tenir. Hein. Ça m'a tué, quoi. Il est cassé. Il marchait encore il y a quelques jours, mais on ne l'utilise pas souvent. Ok. Mais qu'est-ce que je dois faire dans cet appart là ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ça avait pété ta télé là. Mais je fais quoi dans ta vie là ? Je m'en branle. Ah. Quoi ? Il y avait l'arme de Jeff ? Ah. Un crasheur. Il est à Jeff ? C'est le mien en fait. Mais oui, c'est celui que Jeff a utilisé cette nuit là. T'essaierais pas de me la jouer à l'envers, toi ? Voter, Perales. Hop. Vous pouvez monter sur le toit si vous voulez. Je vais vous attendre ici. Ça marche. Ah. Ok. Je vais monter sur le toit, comme ça personne ne pourra me pousser. Oh ! Mais c'est une flaque d'eau, votre truc, là. Qui peut se baigner là-dedans ? Qui peut se baigner ? Le petit baigneur. Accroche-toi. Exit. Ou exit. Ça m'excite. Oui. Ouf. C'est beau en tout cas. Wow. Quelle belle vue. C'est quoi ça, 100 mètres ? C'est une icône de grenade, ça. Je peux balancer une grenade ici ? Où est-elle ? Elle est ici ? Ok. Allez, Speedy. Va donc chez Speedy. Elle va aussi vite que moi avec ses talons, hein. Elle va vite. Hein. Viens. Elle veut pas que je la regarde. Mais je fais quoi maintenant? Mais... J'ai tourné. J'ai fait tout le tour. Ah. Le bar. Le Raymond Bar. L'autre con, il est où? Ah, je vais aller en bas. J'ai vu ça. Mais je tourne en rond dans cet appart, c'est trop grand. Réparer ? Non. C'est chiant. Pour vous comme pour moi, je vous rassure. C'est chiant, hein. C'est exactement la même chose. Je sais vraiment pas où je dois aller en fait. C'est chiant.
Je suis à deux doigts de te regarder et de te dire je me casse. Je me tire quoi. Que tu te tires ailleurs. Des fruits frais. Wow, ils ont l'air bons. On nous les livre. C'est compris dans le livre. Il y a des produits chimiques bizarres là-dedans. C'est des aliments boostés? C'est de la nourriture intelligente, transformée pour améliorer les performances. Putain. Mais les gens y croient. Et c'est plutôt bon en plus. Fresh fruit for rotting vegetables. Ok. Putain d'album. Il m'a répondu. Ah ben voilà, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Ok. Merde. Fichiers. Oh. Ils ont supprimé des fichiers, hein. Apparemment, les employés de SSI savaient pour l'intrusion. Ok. Attends, je fais quoi? Je l'ai exploré, ta baraque. Je sais pas que je t'explore autre chose. Dis-moi ce que tu caches. Ça me tuera toujours de la voir courir comme ça. Il n'y a que dalle ici. Bon. Je tourne en rond. Ah. Des traces de sang. Ça a été mal nettoyé. Il vient d'où ce sang? C'est le vôtre? Je peux vous assurer qu'il n'est pas à nous. C'est peut-être celui de notre intrus. Sûrement. Ah. Putain, fallait le voir le truc, quoi. Et alors les traces de sang? C'est où tes traces de sperme là? Elles sont là. Quoi? C'est ça tes traces de sang? Les grosses plaques dégueulasses au sol? Ah oui, ça je l'ai ouvert, ça tout à l'heure c'était fermé. Je pense qu'on peut mettre votre service de sécurité en haut de la liste des suspects. Les connards. Ils ont violé notre vie privée. Les sales connards. Sous notre propre toit. Je me demande depuis combien de temps ils vous cachent ça. J'avoue. Trop longtemps. Mais c'est terminé. Je ne laisserai plus jamais ces malades entrer. Des médocs. Y a un truc qui va pas? Ne vous en faites pas pour moi. Faites ce que vous avez à faire. De plus en plus. Depuis qu'un certain terroriste me colle au cul. Il est où l'étrange ordinateur? Il est en haut? Non? Il est où? C'est ça. Ah. Drôle de matos. Il sert à quoi? Il est connecté aux écrans muraux. Je me demande bien où ils vont, ces câbles. Quand même. Là, il y a quoi là? Ah!
Ah, bah c'est la fameuse trappe qu'on a vue tout à l'heure, Exit, là. Voilà. Eh ben... L'enquête du fion. Suivre quoi, les câbles? Ils sont où, les câbles? Ok. Et tes câbles, où ils sont? Ah! Ok, tac. Eh ben c'est bien ça, c'est en hauteur. Non. Non. Ah, ils sont là, tes câbles. Et pourtant, le matos est tout neuf. J'ai vu des trucs qui ressemblaient à ça pendant la guerre. Des émetteurs, ils étaient utilisés par Militech. UHF courte portée. Le signal se propage qu'en vue directe, ouais. Mais il est impossible à intercepter. Voilà. En vue directe. Ok, si c'est ça, on n'a qu'à fouiller les environs. On va voir si on peut pas trouver le récepteur. Vraiment très étrange. Trouver la source des transmissions. C'est pour ça qu'il était pété le truc. C'est malingue. Merde. Donc si on avait pu le réparer, ça aurait fait ça en fait. Et là. Donc, techniquement, il y a un truc encore là. Où est la source? Sur le penthouse ou c'est où? Ou c'est à l'accueil? Alors penthouse? Non, c'est à l'accueil. Quoi? Ah bah non. Putain. Idioman. Quoique si, non. Ah. Si, c'est là. Trouver la source. Oh, nique sa mère, hein. J'en ai ras le cul de relancer le jeu parce que ça bug, c'est bon. Commence à me faire chier, hein, ce jeu. Il lag plus. Non, mais mec, au bout d'un moment, j'aimerais jouer, quoi. J'ai plus l'impression de regarder les crashs du live plutôt que jouer depuis le début, donc c'est chiant quoi. Donc c'est bon quoi. La camionnette. Salut! Je te vole. En toute impunité. Je fais que ça depuis le début du jeu. On va bientôt le savoir. Oui. Allez, tu vas les perdre là si t'accélères pas. Les perds pas, V. Oh, ça t'intéresse maintenant. Crois-moi, V. On pourrait bien dévoiler une conspiration corpo. C'est peut-être des espions d'une corpo ou une merde du genre. Mais ils vont se barrer.
Mais... C'est bon. Ils vont me tirer dessus ? Il y a une tourelle au-dessus, non ? Il y avait une tourelle au-dessus. Surtout qu'ils me foutent à distance, je sais pas pourquoi. Je suis au taquet là, hein. Je suis au max et les trucs. Le mec arrive à me foutre de la distance quoi. Oh. Ouf. Ça craint. Vite, vite! Putain, elle prend tout son temps, tu sais. Je vous la refais, quoi. J'ouvre la porte. Je la referme. Démerde-toi! Putain, nique-toi! Ma bagnole va péter, en plus. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Pam balan, palalala, tantara, tantara, tantara. C'est quoi cette caisse là? On dirait. Ça me fait penser à un vieil item dans les jeux PS1, tu sais. Ou les vieux GTA quand t'as une arme. Ça ferait pouit. Ça me tue. C'est pas vrai, bordel. Où c'est qu'il est, lui? Merde, connard. Sors ta petite tête, s'il te plaît. S'il te plaît, sors ta tête vite. Voilà. 12 000 de dégâts? Ou j'ai fait double dégâts? Je n'ai pas compris. Mon ami Cal déjà, hein. Tu es pas m'emmerder toi avec ta putain de caméra de merde. Oh. On va déjà se soigner. Pas grave, je joue comme une merde, on s'en bat les couilles. Mais il me tire à travers ces enculés. Où ce petit bâtard, est-ce qu'il est là? Oh, c'est qui ces connards là qui arrivent derrière? Qu'est-ce que t'allais faire toi? Merde, ils ont déclenché l'alerte ces enculés. J'aimerais avoir le ping, s'il te plaît. Merci bien. Vas-y, lève ta tête. Est-ce qu'il est mort? Oh!
la différence entre un... entre une manette et... C'est l'arroseur arrosé. Coucou. Merde. Le karma. Tu es bien arrêté, deux secondes. Merci. Oui, je suis à la manette. Hein. Ça d'ailleurs que c'est pas hyper précis, mais bon. Je préfère la manette. Bah oui. Vous voulez que je crève le mec? Bah oui, peut-être. Oui. Si possible. Est-ce qu'il y a un connard là? Viens te chercher, pas besoin. Viens me chercher, non. Jamais. Ok. Maintenant, on loot. Ah oui, c'est vrai que j'ai bientôt, je suis bientôt au max le truc. Hein. Donc on va pas faire les coups. Quoi ? Qui m'a vu ? C'est toi ? Coucou Hibou. Allez, coucou Hibou ! T'es mort, non? Il y a peut-être encore un connard à l'intérieur. Le ping. Merde. Vite. Au d'amical. Enfin, bref. Pépin le bref. Voilà, merci bien. Ok, on a fait le mélange quand même là-dedans. Hein. Allez! Faites le ménage, s'il te plaît. Ah, il est en bas, cet enculé. À force de looter, je vais plus y avoir de place. Michel Delpech. Michel Belpech. Oh. Juste pour le fun, on va faire ça. C'est un 55, c'est un. Voilà. Et pour 292 XP, la modique somme, bien sûr. Bien évidemment. Y'a pas un connard par là? C'est tous des connards, c'est tous des connards, c'est tous des connards. Ah, madame Ical. C'est bon, t'es ami? On est amis maintenant. Ami. Avec plaisir, non. Je fais partie de l'association des petites merdes de l'humanité. Ah oui, mais je dois fouiller ça, bien sûr. Dévorte, tu m'entends?
5. Je viens te chercher, petite merde. Qui m'a rodé ? Une caméra ? J'aime tuer les gens. Le psychopathe, c'est... J'aime. Gémeaux. Gémoroïde. Tac. Touk. Je peux pas prendre l'album de Johnny. Achetez-moi Johnny, hein. Je ne peux pas prendre ma... Putain. Quel est le feu qu'il y a là? 306, hein, ça monte de plus en plus, hein, attention. Y'a rien du tout ici, y'a rien du tout. Johnny, Johnny. Désactive. Poète, 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 poète. Poète, poète, poète. Ainsi, ainsi, pendant que... Ainsi, pendant que... ensuite, il faut que je fasse... Ainsi, 55... Merde. Fuck. Mais j'ai fait de la merde. Ah. Ainsi. Ainsi. Un œuf. Merde. Pas grave. Osef, un peu. Une borne stylée comme ça, et puis il te met un vieux jeu de merde comme ça, c'est abusé. Là, t'aurais pu t'attendre à un contrat ou un truc comme ça, toi, avec une gueule comme ça au-dessus, mais non. T'as mon petit poney, quoi. Merde. Les composants! Voilà. Ok. Où vais-je? Que fais-je? Dans quelle étagère? Des fois tu cours comme ça et tu meurs, hein, donc des fois je fais gaffe quand même. Pas du tout. Je fais pas du tout gaffe en fait. Se connecter. Défense craquée, on y est. Okay. Même le NCPD a pas des dossiers aussi complets. Photos, dossiers médicaux, vulnérabilité à la neuroplasticité. C'est une sorte de base de données. Scan cérébraux des paralèses, bilan biologique, neuroplasticité. Merde. C'est quoi ça? Le truc bleu? Des connexions neuronales récentes. Ils les espionnent pas, Johnny. Ils leur triturent le cerveau. Les connards. Quoi? Attends, tu veux dire que quelqu'un contrôle l'esprit de nos dirigeants modèles? Ouais. Les taches rouges, c'est des souvenirs résiduels dans la région de l'hippocampe. Elles se mêlent à la partie bleue, tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ils leur implantent de nouveaux souvenirs dans la tête. Mmh. Ils modifient leur personnalité. C'est du très lourd, Johnny. Oh putain. Et les paralèses sont pas leurs seuls cobayes, on dirait. Me fait peur, vite, télécharge les données. Si quelqu'un se met à les chercher, c'est notre suspect. Merde! Ils les effacent! Ils nous ont grillés! Maintenant, merde, ils savent que quelqu'un était dans leur base de données. Et je me demande s'ils savent qui. Dommage. V, vous avez du nouveau? Vous devriez vous asseoir. C'est... C'est bien plus grave que ce qu'on avait imaginé. Ah oui? Ils vous font un lavage de cerveau. Ils ont scanné vos cerveaux,
Et maintenant, ils vous conditionnent pour... Attendez. Papa Rollo. Bien vu, j'arrive. Non, nous devons parler. Mais seul à seul. Je connais un restaurant de ramen à Japantown. Je vous envoie les coordonnées. D'accord. À tout de suite. Ça craint. Hein. J'aurais peut-être m'acheter un nouveau véhicule quand même. Hein. Thank you.